Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, not the good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay that, stay clap. Bon les petits gars, voilà le nouveau vlog et c'est de la dinguerie. Les gars, pourquoi c'est de la dinguerie? Parce que c'est un nouveau vlog et ça fait grave plaisir, ils connaissent pas. Ils connaissent pas quoi? Ok, donc ils se réveilleraient un petit peu plus tard, on va pas le déranger, surtout pas. Non, c'est un nouveau vlog, là on joue contre Mulhouse, ils sont deuxième ex aequo avec nous. Là aujourd'hui, vous savez que j'ai beaucoup de trucs aux jambes, de douleurs. Donc on va faire un petit peu de balnéothérapie aujourd'hui. Et puis pas le même que d'habitude, vous allez voir, on a changé. Donc ça, ça va être vraiment stylé de ouf. Et voilà, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Du coup, on a e-food. Et là, franchement, ça c'est une dinguerie. Ça c'est le petit repas, ça remplace ton repas. Donc ça soit ton petit déjeuner, ton dîner. Et bah voilà, en tout cas là ça tombe vraiment bien. Du coup, on va voir, la dernière fois j'avais pris banane. Et là c'est coconut, à mon avis ça doit une dinguerie, je vais goûter les frérots. Et puis voilà, de toute façon j'avais pas le temps de me faire à manger, donc puis c'est pour vous dire juste, c'est pas un repas genre, c'est pas un genre truc protéiné ou alors tu sais, un checker ou sur du checker comme tu peux voir. Non non, là c'est vraiment, ça remplace ton repas, donc c'est juste dingue. En plus de ça, c'est bon de ouf les frérots. C'est vraiment bon. Donc c'est une collaboration bien évidemment et c'est eux qui sponsorisent donc cette vidéo. Donc voilà, en plus de ça, ça va faire de l'argent pour cet été, pour pouvoir faire du gros contenu sur la chaîne YouTube. Et ça c'est important, vraiment, augmenter la qualité. Moi en attendant, je vais au balnéo. Je vais continuer de boire ça. Vous n'oubliez pas que là, je vous mets le lien pour tout simplement dans la description. Le code promo, je te le mets juste en bas, c'est LOID10. Voilà, là, les gars, ça vous fait une petite réduction, c'est parfait. Et comme je vous dis, c'est idéal pour remplacer vos repas, quoi. Mais comme là, moi, j'aurais pu aller manger un truc, prendre un sort du triangle ou un truc qui est pas bien équilibré. Et comme j'essaye de rester, comme vous le voyez, bien équilibré, donc ça, ça tombe bien. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally unhealthily spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy, I can leave a legacy of leading. Donc voilà, donc là ça va jouer pour la deuxième place, mais une sûreté, tu vois. Donc ça c'est méga cool. Ensuite là, bah nous hier on s'est entraîné, on fait du shoot, un petit 1 contre 1, mais que shoot, voilà, parce que lui revient petit à petit des... Le croisé que j'ai lavé hier aussi. Le croisé, il revient aussi décroisé et du coup voilà, ça permet de se remettre un petit peu dedans. Puis l'insolent en plus à son âge. Hein, et là on a Ricardo, bon, il s'occupe bien de notre salle, ça c'est top. Voilà, là on va pouvoir, il n'y aura pas d'excuse pour courir, pour tout donner. Donc ça c'est vla stylé les gars, allez let's go. Let's go, on a un peu mal aux jambes, là en ce moment j'ai un peu mal aux jambes mais j'utilise ça, tu connais? Ah ouais, c'est bon ça. Non, oh. C'est bon. Regarde le truc et dit, ah c'est bon ça. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon pour toi après, moi. Bah non, c'est toi qui as dit. Moi, oh. Pour les jambes, moi. Oh, le menteur. Moi, je dis pour les jambes après toi. Et ça, c'est bon, il a dit. Donc ça, Hugo, il adhère, il adore. C'est bien. Putain, là, il a remis les chaussures. Ah là. D'habitude, tu joues avec tes chaussures là. Ouais. Avec mes running. Les running back. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain. I just wanna be greatness, I just wanna be. Ain't no motherfucker in this world can do it like me.
I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own... C'est parti, c'est match contre Mulhouse. Bon, là, il y a du monde parce qu'il y a eu les 17 qui ont joué. Dinguerie, ils ont gagné beaucoup. Donc ça, c'est vrai, c'est méga bien, c'est méga bien. Là, on est un peu en avance, nous, comme d'hab, parce qu'on est, voilà, on est vieux jeunes, nous. Voilà. Là, on a fait les jambes. T'as pas les jambes trop lourdes? Là, trop mal. Le chef, il a commencé le programme. Donc là, ça tue. Parce que là, il dunk pas, il est au bord du truc, donc faut le faire dunker. Donc voilà. Ça va? La forme? Ça a été le match? Oh, tranquillou. Les gars, bien joué pour votre match en tout cas. Bien. Shooter, hein, vous allez voir dans la vidéo, c'est lui qui a shooté juste avant. Et lui qui a mis son petit 3 points. Les gars! Vous allez rester voir le match après ou pas? Ah bah oui! Ok les gars, let's go. Ben, nous on va changer en musique. Ça, Patricia. Oh les gars, Quentin, numéro 4. Le même numéro que moi. C'est normal, hein, je sais que c'est le meilleur numéro. Hein. Ok, les frérots, la nouvelle vidéo. Oh, ça c'est trop, je pense que c'est trop une vidéo de ouf. Les gars, c'était Mulhouse, fâche, tac. J'ai bien aimé ce match, c'était les deuxièmes. Nous, on était troisième ex aequo. Donc voilà, c'était juste une dinguerie parce que du coup, on a gagné. Du coup, on est deuxième. D'ailleurs, et puis si Ferdinand, il perd un match, on est premier. Donc, ça, on verra. En tout cas, ce qui est bien, c'est que déjà, on a gagné à la maison. On a encore un autre match à la maison la semaine prochaine, donc contre Celesta. Et voilà, je vous ai mis dans la vidéo des 1 contre 1. Contre 1, parce que je révise un petit peu quelques trucs et tout. Par contre, c'est pas des 1 contre 1 n'importe comment. On n'a pas le droit de faire de double pas.
voilà, que ça, ça nous force à créer quelque chose, nous créer un tir, sachant que j'ai du mal à ça, donc voilà, c'est plutôt cool. Et puis après, j'ai mis nos débuts d'entraînement, puis après, plus de 2-3 petits bonus, et puis après, il y a le match, donc on va le commenter ensemble. Et en plus, aujourd'hui, c'est la sortie du programme, donc voilà, il y a ceux qui ont précommandé, qui vont le savoir avant, donc voilà. Mais en tout cas, là, sans plus attendre, on se lance sur la vidéo. Sans plus attendre, on lance le match, c'est parti. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc là, il y a la balle à notre numéro 9. Qu'est-ce qu'il joue? Il essaye de la jouer. Boum, il ressort la balle. Donc parfait. Ça crée un tir pour notre grand à 3 points. 2m7, ça shoot à 3 points. Il n'y a pas, c'est les Serbes. C'est comme ça, c'est à droite, les gars. Voilà, la balle en bas. Boum, il attaque. Il peut pas, il ressort. Hop, il shoot. C'est dedans, parfait. Là, il joue avec moi avec un écran. Je lui donne en l'air parce que c'est les consignes. Il faut lui donner en l'air. Il la ressort. Il tente une attaque, il y va, ça rentre, ça paye, ça, ça fait plaisir. Là, j'attaque fort, j'attire du monde, je ressors à l'opposé. Boum, on est dans la progression et ça, ça fait du bien. Ça, c'est top. Là, boum, je vois que j'ai loupé, je fais exprès de tomber pour avoir une faute, j'ai la faute, donc ça fait du bien. Boum, je crois que j'en mets qu'un lancé en plus. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que, enfin, franchement, vous allez voir, il y a un lancé, c'était limite. Donc là, qu'un roux, donc le numéro 9, il marque. Donc, bonne création. Qu'est-ce qui se passe là? Boum, il n'y a rien. Moi, j'attaque fort. Là, j'attaque. Je peux y aller tout seul, mais non, je veux qu'il dunk. Mais il se loupe et il tombe comme je sais pas quoi. Il est souvent par terre, le chef. Mais c'est marrant. En tout cas, on aurait pu faire un beau jeu. On l'a pas fait là, mais c'est cool. En tout cas, voilà, là, boum, il shoot directement, ça marque, 3 points, on voit que le public, il y en a qui sont réveillés, qui sont contents. Là, on a notre danseur, voilà, il y a notre danseur, il est chaud. J'en profite juste pour vous dire qu'il faut, si t'as rien à faire, un petit like, le bouton t'abonner, ça soutient la chaîne et ça fait des résultats comme on est autant d'abonnés au jour d'aujourd'hui, alors que j'aurais jamais pensé, tu vois. Donc, la possession du ballon, j'attaque, on crosse, on regarde à l'opposé, boum, il attaque. Ça donne en bas, ça joue un peu bizarre. Je couche, je peux avoir le ballon, mais du coup, non. Donc, je m'écarte. Il shoot, mais de toute façon, il n'y avait plus le temps. Il met quand même, mais c'est annulé parce qu'il enfin, est 24 secondes. Quoi. Donc voilà. Là, je redonne, j'ai le ballon. J'attaque dans l'axe. Je finis main gauche. Ça rentre. La main gauche, elle est importante, les gars. Pensez pas qu'il faut qu'il y ait la main droite. Là, boum. Pareil, je crois que c'est là, je l'ai mis, même si j'ai loupé parce que je pensais que. Franchement, ça, j'aurais jamais fait ça en fait. Mais le fait d'avoir fait un contrat avec mon petit go, ça paye. Hein. Ça paye vraiment. Donc là, il joue tranquillou. Là, hop, et du coup, il a gagné un lancer, ce qui avait eu faute. Là, je demande en bas. Elle est arrivée tardivement, mais j'ai réussi quand même à faire quelque chose avec. Donc ça, ça fait plaisir vraiment. Là, boum, je redemande le ballon. Il y a ça ressort, mais je demande à mon neuf de s'écarter justement pour attaquer. Voilà, donc ça c'est plutôt cool d'avoir lu ça, parce que c'est d'habitude, voilà. Là, et elle en s'en mêle les pinceaux, donc ça va que j'arrive à la mettre. Je pensais au gros dunk, et ben non, ça fait plusieurs fois que ça me fait ça, c'est assez embêtant. Boum, là il la rejoue, là ça rentre dedans, bang bang. C'est Dimitri qui dit ça, enfin bref, boum, je coupe pour avoir le ballon, mais bon, ça, pas payé, je mets, voilà, j'essaye de bien l'écarter, hein, si vous êtes petit, tiens, je mets une pause, si vous êtes petit, hein, n'essayez pas d'aller chercher le rebond direct, baissez-vous, au genou, les grands, ils aiment pas ça, écartez un maximum votre joueur, voilà, au plus bas, comme vous pouvez le voir là, au plus bas, et vous allez l'embêter, et plus souvent, vous allez avoir le rebond, et ça, ça fait plaisir, boum. Là, j'attaque baseline, ligne de fond, je ressors à l'opposé, création de shoot, c'est pas payé, c'est dommage, mais la lecture était bonne. Là, Aptos, il la donne directement, ça marque, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui se passe directement, là? Hop, il la joue comment? Ok, moi, je reste en haut, création de shoot, il est tout seul, bang, ça rentre. Là, il est chaud, le chef, c'est le Bordeaux, c'est l'effet Bordeaux. Donc voilà, je vous ai mis le score à chaque fois. Donc là, il y a 42-42. Voilà, 42-42, shoot pour Ludo. Du coup, ça nous fait... Non, 45-42, je sais plus, un truc comme ça. Enfin bref, faut regarder le tableau d'affichage. Là, hop, il est en bas, il demande le ballon, il l'a. Il la joue encore comme ça, ça passe, ça rentre, c'est ça spécial. Boum, ce qui fait que, voilà. Non, là, c'est pas payé, j'arrive à avoir le rebond. On la ressort après, je fais genre ça et hop, et c'est pas payé encore. Les flotteurs, je les ai pas réussi. J'ai fait beaucoup de loupés hein, sur mes doubles pas. Je coupe, j'arrive à couper là, bien bon. Je suis pas dans le timing, mais je le mets quand même. Je suis obligé de m'arrêter, feinter pour savoir s'il va sauter ou pas. Là, boum, contre-attaque, ça fait du bien. J'attaque fort.
Il y a faute derrière. Donc ça va, heureusement que j'ai eu la petite faute. Là, les frérots, on en parle. Là, on en parle du airball. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un qui va pas mettre, tu vois. Je vais me foutre. On peut se foutre de la tête des autres et de moi aussi, tu vois. Et là, là, les frérots, le airball, ça passe pas. Si tu connais un pote qui est... Ouais, là, tu peux le taguer direct. Parce que chef... Oh, le airball, quoi. Y a rien à... Ça a touché le filet. Ah non, là, pour... C'est vrai que non, ça va. Ça a touché le filet, quand même. Je tiens à préciser. Après, ça va, je remets l'autre, mais bon, quand même, c'est moyen. Là, j'attaque fort. Boum, derrière, je mets. J'ai une faute derrière ça, donc ça, c'est cool. Voilà, ça me met un peu en confiance que j'ai eu beaucoup de loupés, hein, vraiment. Là, j'attaque, je regarde l'opposé, ça, c'est bien. Après, j'ai fait des shows où j'ai voulu y aller tout seul et puis des shows où j'ai relâché à l'opposé. Là, boum, je ressors, et regarde. Là, c'est intéressant. Donc ça, c'est... À la base, j'aurais jamais fait ça, mais comme on fait des 1 contre 1, ça m'aide énormément, vraiment. Là, je suis à l'opposé, il reste 3 secondes pour 3 secondes du tableau des 24. Je reçois, je shoot, buzzer, boum. Et ça nous refait passer 60-60. Et ça rééquilibre bien. Et là, ça nous remet bien. Ça, ça fait plaisir. Derrière ça, il y a une attaque des gars. Donc, c'est mis directement. Donc, ça, c'est cool aussi. On reste sur 62-62. Notre déanimé directement. 65-62. Là, c'est la pression. Et là, j'attaque fort derrière aussi. On est sur du 67-65. Là, ça nous fait du bien. Bonne attaque. Là, hop, marché. Bon, même s'il y a beaucoup d'enjeux, je ne me prends pas la tête. Je suis déjà de l'autre côté. Je ne vais pas essayer de parler avec l'arbitrage. Ok, là, c'est du loupé. Mais hop, Delta va au rebond. Il simule. Je l'avais loupé. Alors, je me lance par terre. Ça va très bien comme ça. Ah non, j'avoue. Non, là, peut-être pas sur celui-là. Mais j'avoue que celui de tout à l'heure, il était limite. Il était plus que limite. Là, ça va, je me mets lancer, c'était pas comme tout à l'heure, ça shoot, on revient au rebond les frérots, il faut du rebond en fin de match, ils en ont besoin mon équipe. Là, hop, on fait l'écran pour qu'il y ait nos tirs ouverts, ça c'est bon. Là, on est bon, comment ça se joue 72-71? Ah, là, on va servir de l'attaque les frérots. Ouais, là, ça fait du bien. Là, on remonte bien, ça fait du coup 74-71 au tableau d'affichage en haut. Voilà, c'est super cool, derrière il marque. Donc voilà, franchement, voilà, temps mort, il demande temps mort et tout. On est bien parti vers la fin. Il y a beaucoup de trucs qui n'étaient pas vraiment bien. Enfin voilà, comme d'hab, à chaque match, il y a des trucs que ça peut pas être parfait, voilà, mais il faut savoir quoi. Et puis voilà, moi, je me suis beaucoup, j'ai beaucoup loupé. Alors du coup, après, ça m'a frustré. Il n'y a pas forcément l'encouragement des coéquipiers dès que j'en avais besoin, donc c'était compliqué. Mais bon, voilà, ça, dès qu'il y a la mi-temps, j'arrive à réfléchir correctement et repartir de plus belle. Et voilà, tout simplement. Après, en point positif, c'est vrai. Enfin, point positif, j'aimerais dire que en termes de vision de jeu, c'est un peu mieux sur le fait de je drive. Si je voyais tout seul, des fois, bon, j'y suis allé parce qu'il y avait besoin, mais on a quand même pu ressortir. Et des fois, même un peu trop, faut faire gaffe parce que j'avais carrément dépassé mon mec que je vais quand même chercher à l'opposé. Donc, c'est bon et pas bon finalement parce que tu dépasses ton gars, ok. Mais là, soit tu le fais derrière comme j'ai voulu faire pour mon grand et qui aille dunker, mais bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Mais sinon, faut aller marquer, faut pas, c'est trop. Je pense qu'il faut même encore plus lever la tête dès le début et lire, que pas attendre que je sois pris dans l'écran, ou enfin, que je sois pris par le défenseur et ensuite lâcher. Je dois lire que là, ça va être mort pour moi et je vais devoir, va falloir lâcher. Et lire que là, ça va être bon pour moi et là, je vais devoir y aller. C'est une différence qui est très importante qu'on essaiera de corriger sur la fin. On va continuer cette semaine avec des 1 contre 1, c'est très important pour moi. Ça me fait du bien énormément sur la lecture de jeu, sur ma manipulation de balles. N'hésitez pas à en faire vraiment si vous pouvez. Également, n'oubliez pas qu'on a le serveur Discord où tout le monde se rejoint. Tout le monde se rejoint, tous ceux du basket, tout, n'importe ton niveau. Il y a des grands niveaux, il y a des plus petits niveaux, débutants, experts. Bah, tout le monde est dedans, quoi. Donc, je sais pas ce que t'attends, là, frérot. Voilà. C'est comme pour t'abonner, je sais pas ce que t'attends. T'es encore là avec nous sur cette vidéo et t'es toujours pas abonné, ça se trouve. Et ça, ou encore pire, t'as toujours pas mis de like. Et ça, c'est, voilà, compliqué, quoi. Mais voilà, je t'en veux pas, Didier. Non, mais voilà, on va travailler encore plus cette semaine. Voilà, là, aujourd'hui, ça, ouais, entre la vidéo qui sort, les programmes qui sortent également, ça va être, ouais. Ça va être bien chargé. J'espère que vous, votre semaine va être chargée aussi. Et puis que tout va bien se passer. On se rejoint pour la prochaine vidéo. Ok, ça sera encore à la maison. S'il y en a qui veulent venir voir le match, sans hésitation, les gars. Et puis, on va corriger encore et encore jusqu'au dernier match pour être meilleur et encore meilleur et encore meilleur.
Et ouais, et ça c'est important. Voilà. Ah, on why ! C'est victoire les gars, ça fait plaisir sur des nouveaux maillots en plus. Aïe aïe aïe.